Par cet accueil, la population de Kipushi marque sa reconnaissance envers le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula-Katwe, pour les multiples réalisations dans le territoire de Kipushi. C'est notamment la construction de ses marchés modernes, le premier à Kipushi. Il comporte 3 hangars avec étalage, pouvant accueillir 325 marchands, 25 boutiques, des restaurants, des bureaux administratifs et des dépôts. L'inauguration de l'ouvrage est intervenue ce lundi 19 août 2024 par le gouverneur de province Jacques Kabula-Katwe en présence des élus de Kipushi et des ministres provinciaux. Occasion pour le député provincial Max Mpande de transmettre au gouverneur les vifs remerciements des habitants de Kipushi. On a saisi l'occasion de coupiter à Baba gouverneur Jacques Kabula-Katwe, accent munene sana, kwa makazi yote et kuna fanya umu mukipushi. Kabula, il a fait beaucoup de choses dans notre ville de Kipushi. Il a construit un bon marché pour nous. En tout cas, nous dit merci devant Dieu. Il bénit tout chaque jour. Vraiment, merci beaucoup à Wandani. Peu avant, Jacques Kabula-Katwe était à l'hôpital du cinquantenaire de Kipushi, où il a inauguré symboliquement la première morgue. L'administrateur du territoire de Kipushi et les médecins directeurs de l'hôpital ont rappelé les autres actions, comme l'électrification de ce même hôpital en décembre 2021 et la mécanisation du personnel reconnu comme agent de l'État avec rémunération conséquente. Cette morgue est d'une capacité d'une dizaine de corps avec des accessoires dignes d'une morgue moderne, va résoudre définitivement la problématique de la conservation des corps dans de meilleures conditions. C'est ce qu'a déclaré Joseph Nsambi Boulanda, ministre provincial de la Santé. Lors de ses précédentes descentes sur terrain à Kipushi, le gouverneur de province, Jacques Kabula-Katwe, avait promis de moderniser les infrastructures. Aujourd'hui, petit à petit, on passe de la parole à l'acte.